Ja, einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich zu unserer heutigen Pressekonferenz gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Marine Le Pen recht herzlich begrüßen. Wir haben nur eine halbe Stunde zur Verfügung, deswegen werden wir es versuchen, kurz zu halten von den Statements her, damit Sie Möglichkeiten haben, viele Fragen zu stellen, die Sie sicherlich haben. Ich möchte vielleicht nur eingangs festhalten, dass allein die Tagesordnung dieser Plenarsitzung sehr viel von dem spiegelt, von der Problematik spiegelt, die wir als eurokritische, europakritische oder EU-kritische Bewegungen auch dementsprechend immer aufgreifen. Lassen Sie mich es mit zwei Punkten ganz kurz festhalten. Wir haben in ein paar Minuten Abstimmung über das traurige Thema Lampedusa. Wie Sie alle wissen, das Thema ist ja der traurige Höhepunkt eines Eisberges, der bereits seit vielen Jahren bekannt ist. Seit den 80er Jahren wissen wir, dass 20.000 Menschen umgekommen sind, vorwiegend im Mittelmeer. Es wurde von Seiten sowohl der Union wie auch der Einzelstaaten vielleicht zu wenig hier getan. Wenn wir heute das Problem aufgreifen, dann nur aufgrund eines tragischen Vorfalles, aber wir tun so, als wäre es uns nicht bekannt und bewusst. Es ist sicherlich sehr positiv, dass wir auch positive Sachen ansprechen, wenn wir darüber nachdenken, wie mit modernen Mitteln, Eurosur zum Beispiel, Überwachungen getätigt werden können, wo wir natürlich auch einerseits bereits beim Auslaufen aus nordafrikanischen Häfen tätig werden können, aber auch natürlich die Überwachung so hingehend modern gestalten, dass auch in Seenot geratene Schiffe von Immigrationsbereiten auch gesichert werden können. Das heißt, Hilfe, ganz klar, das ist gut, aber es kann automatisch und nicht automatisch heißen, dass jeder, der hier sich in Bewegung setzt, und das sind ja Millionen, die sich in Bewegung gesetzt haben in den letzten Jahren, auch einen garantierten Anspruch hat, auch nach Europa zu kommen. Es ist versäumt worden in den letzten Jahren, auch die nordafrikanischen Staaten einzubinden, die ihre Verantwortung auch wahrnehmen müssen. Küstenkontrolle, Kontrolle der auslaufenden Schiffe. Es ist auch in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden, die Gründe dieser Völkerwanderung zu beheben. Wir Europäer sind auf der einen Seite sehr interessiert, Ressourcen auszunutzen und diese Länder und in diesen Ländern natürlich auch Probleme zu schaffen, dass sie die nötigen Rahmenbedingungen, dass sie dort gerne wohnen, dass sie dort bleiben, dass sie diese Rahmenbedingungen haben. Das heißt, Europa muss auch tätig werden und die Ursachen bekämpfen. Das ist verabsäumt worden und das wird auch eine der notwendigen Aktivitäten sein. Wir haben verabsäumt, die Schlepperbanden nachhaltig zu bekämpfen, etc. etc. Das heißt also, wir diskutieren über Symptome, wir diskutieren über Details, kurzfristige Maßnahmen, ob wir vielleicht eine Staatsbürgerschaft verleihen können, Ehrenbürger vielleicht von Rom werden können, aber wir sind nicht bereit, mittelfristig, langfristig das Problem anzupacken. Und eines ist ganz klar, und das soll ja auch betont werden, illegal heißt nicht legal, das sagt die Wortdefinition, und wer illegal am Weg sich befindet, muss damit rechnen, auch zurückgeschickt werden. Ein zweites Beispiel, wo die EU aber offensichtlich eine Reglementierungswut hat, haben wir gestern gesehen. Es wurde ein Tagesordnungspunkt abgesetzt, Gott sei Dank abgesetzt, der sehr stark in die Souveränität der einzelnen Staaten eingegriffen hätte. Man kann über Abtreibung und verschiedene Themen unterschiedlicher Meinung sein, aber dass heute die Reglementierungswut so weit geht, dass wir offensichtlich vorgegeben bekommen, wie in welchem Bereich in sozialpolitischer Hinsicht, in medizinischer Hinsicht die einzelnen Mitgliedstaaten zu verhalten haben, wie es der gestern abgesetzte Bericht getan hätte. Das sind Beispiele, die wir eben als negativ sehen, wo also es die einzelnen Mitgliedstaaten, auch die Bürger nicht verstehen, dass hier in unsere nationalen Rechte eingegriffen wird, in Souveränität eingegriffen wird. Und daher haben wir eines wieder festzustellen an einer dieser Tagesordnung, dort wo reglementiert werden sollte, dort wo Europa stark sein sollte und tätig werden sollte, ist es zu wenig stark, greift es zu wenig ein, aber man hat eine Reglementierungswut dort, wo es nicht notwendig ist und wir sehen, das ist zu viel. Mit diesem kurzen Eingangsstatement möchte ich mal schließen. Wir haben, wie gesagt, kurz und nur wenig Zeit und daher bitte für Sie die Möglichkeit, auch Fragen, vor allem an Marine Le Pen und mich zu richten. Besten Dank, ist Teil. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes
trouvée confrontée à l'obligation d'organiser une conférence de presse, puisqu'il y avait tellement de demandes d'interview qu'il était à peu près impossible, dans un temps raisonnable, de pouvoir y répondre. Comme bien souvent, on s'aperçoit que les questions qui sont posées portent sur des sujets de préoccupation qui sont ou communs ou voisins de la part de la presse internationale. Nous allons tout de suite passer à vos questions pour pouvoir tenter de vous apporter les éclairages nécessaires sur tous les sujets qui vous intéressent. Qui se lance, ouais. Teresa Kuchler, quotidien suédois, Svenska Dagbladet. J'ai une question sur un possible futur parti, un groupe parti ici au Parlement de droite. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec des autres partis pour faire une liste des partis intéressés? Et est-ce qu'il y a entre eux le parti suédois, Sverigedemokraterna? Et deuxième question, est-ce que vous seriez président du groupe? Ich nehme an, die Frage hat für mich gerichtet. Pour Madame Le Pen. Ah so. Ah, c'est pour moi? Excusez-moi. Oui, pour Madame Le Pen. Est-ce que vous seriez présidente du groupe si ce groupe est créé? Alors, vous savez très bien que, évidemment, nous caressons l'espoir de constituer un groupe au Parlement européen, ne serait-ce que parce que nous souffrons beaucoup de notre position de non-inscrit qui nous permet de n'être que des demi-députés, hein, puisqu'on ne peut pas déposer d'amendements et ainsi toute une série de capacités nous sont interdites. Donc avoir un groupe, c'est évidemment se donner les moyens d'agir et de peser de manière bien plus efficace que être non inscrit. Nous avons donc l'espoir de pouvoir constituer un groupe. Depuis déjà de nombreux mois, nous consultons, nous multiplions les rencontres autour de l'Alliance européenne des libertés, qui est un parti politique européen. Et moi, j'ai évidemment grand espoir, si tant est que le Parlement européen ne change pas brutalement les règles de constitution des groupes, car il serait capable de le faire pour tenter d'empêcher à tout prix les eurosceptiques, les eurocritiques de pouvoir peser sur le débat. Je suis très optimiste sur la capacité qui sera la nôtre de pouvoir constituer un groupe, c'est-à-dire réunir au moins cette nationalité et les 25 députés nécessaires. Inutile de vous dire qu'il est absolument impossible de parler avec vous d'ores et déjà de qui pourrait prendre la tête de ce groupe. Tout ça est quand même très hypothétique. Hein. Pour l'instant, travaillons en amont à la constitution de ce groupe, à la réflexion commune sur les sujets de préoccupation que nous partageons, nous autres, partis patriotes européens, sur les solutions que nous pouvons présenter en commun. Il sera largement temps après, lorsque cette force politique sera constituée, de déterminer qui pourrait en être le président. Oui, excusez-moi, je vais faire un coup comme ça, non ? Monsieur ? Oui, David Carretta, Radio Radicale. Madame Le Pen, je voulais vous demander, comme ma collègue, avec qui ? Parce que la question est importante aussi pour les électeurs. Le jour où ils vont voter FN en France ou d'autres partis dans le reste de l'Europe, probablement, ils veulent savoir avec qui vous allez vous allier. Ça vaut par exemple pour les Italiens, si la Lega Nord est à l'intérieur. Et comment allez-vous gérer les actuelles alliances du FN en Europe? Les actuelles alliances du FN en Europe sont l'embryon. Pardon. Les futures alliances du Front National en Europe sont déjà, je crois, transparentes. Puisque l'embryon, quand même, quoi qu'on en dise, d'un groupe européen est déjà en partie constitué par l'Alliance européenne des libertés, que les choses soient très claires. Je vais dire nos relations en même temps suivies et proches avec le FPE autrichien, avec le Vlaams Belang belge, avec les démocrates suédois, etc. Peut-être marque le contour des espérances que nous portons. Bon, et je vois très bien où vous voulez en venir. Alors la question que vous devriez me poser, c'est avec qui vous voulez pas vous allier, plutôt qu'avec qui vous voulez vous allier, peut-être. Voilà, de manière très claire, l'Alliance européenne des libertés n'a pas entendu accepter en son sein des mouvements politiques qui nous apparaissent avoir des discours ou des idées qui sont radicalement différentes des nôtres. Hein. Les choses sont claires. Nous,
par conséquent, nous n'aurons pas dans le groupe le Jobbik, nous n'aurons pas dans le groupe, évidemment, je le dis, mais enfin, ça va sans dire, mais je préfère que ça aille mieux en le disant quand même, des groupes comme l'Aube Dorée ou des choses comme ça, ça n'est pas l'axe que nous, qui est le nôtre, ce ne sont pas les mêmes idées politiques que les nôtres. Alors après, bah, écoutez, on travaille, voilà, hein, je vais en novembre aux Pays-Bas rencontrer Geert Wilders, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer à Paris, pour discuter justement avec lui. Tout ça, ça se construit petit à petit, ça se construit aussi dans la confiance, car la confiance entre les différents mouvements se construit. Nous avons une charte à l'Alliance européenne des libertés qui fixe les grands principes fondamentaux de notre action politique au niveau de l'Europe. Vous pouvez d'ailleurs vous y reporter et vous comprendrez probablement qu'il y a un certain nombre de mouvements qui peut-être demain auront une forte audience, comme je l'espère pour le parti par exemple de M. Wilders, et qui probablement seraient susceptibles de pouvoir se retrouver dans ces points fondamentaux. Oui, mademoiselle. Hi, Sanna Trygg from Skånska Dagbladet in Sweden. I have a question concerning the Swedish Democrats as well. How do you cooperate with them today, and how are your plans for the future? J'ai rencontré, en ce qui me concerne, le président des démocrates suédois assez, d'ailleurs, rapidement, hein, lors de ma venue en Suède ce week-end. Nous avons, au sein de l'Alliance européenne des libertés, un député qui s'appelle Kenneth Roth, que vous connaissez, avec lequel nous travaillons sur des sujets qui concernent, évidemment, l'avenir de l'Europe, et sur lequel, il faut bien le dire, en tout cas avec lequel nous avons énormément de points communs sur les constats que nous faisons et sur, en partie, si vous voulez, la nécessité absolue de retrouver nos souverainetés nationales pour pouvoir y apporter des réponses sur la contestation de la perte de souveraineté de nos propres pays, sur cette Union européenne qui vient imposer ses diktats bien souvent sans ou contre l'avis des peuples. Donc nous avons toujours nous travaillons depuis déjà un certain nombre de temps avec Kenneth Roth. J'espère évidemment que ce travail portera ses fruits. Oui, mademoiselle. Oui, bonjour. Je voudrais savoir votre point de vue vers l'indépendance de la Catalogne, que c'est un mouvement populaire très grand, et aussi si les nouveaux partis, vous envisagez l'inclusion des patriotes catalans aussi. Pour l'instant, nous n'avons pas de relation avec des mouvements politiques espagnols. Et j'espère d'ailleurs que ça changera, mais il y a comme ça un certain nombre de pays dans lesquels les mouvements eurosceptiques ont du mal à émerger, hein, ou à se fédérer. Et donc nous espérons que ceci pourra peut-être se faire à l'occasion d'une campagne européenne. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun contact avec les mouvements espagnols. Oui. Oui, Alberto Agenzio de l'agence ANSA. Vous parlez des bons résultats électoraux probables de M. Wilders en Hollande. En Italie, il y aura probablement un très bon résultat électoral pour part du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui a, par exemple, une position contraire très forte contre l'euro? Sera un bon partenaire pour vous ou pas? Écoutez, j'ai du mal à cerner quel est véritablement le projet... la cohérence du projet de M. Beppe Grillo. Peut-être parce que, d'ailleurs, c'est un mouvement très jeune. Bon, je me réjouis de tout responsable politique ou de tout élu qui exprime son désaccord avec une monnaie unique dont je pense qu'elle est à l'origine de beaucoup de difficultés économiques de beaucoup de pays de l'Union européenne, que ces choses soient claires. Mais je pense que c'est pas peut-être suffisant. Il faut quand même qu'on puisse avoir un peu une vision globale aussi de l'Europe que nous voulons construire, car nous pensons que cette Union européenne est à bout de souffle, mais demain nous aurons la responsabilité d'apporter aussi des pistes, des solutions pour que vive une Europe auquel nous sommes attachés, mais une Europe des nations libres et souveraines. Alors laissons peut-être à M. Grillo le soin d'avoir une réflexion sur ce sujet, de la mettre en forme, de lui donner
donner une cohérence. Et puis ce jour-là, eh bien, nous nous pencherons sur son projet et verrons s'il y a effectivement des éléments intéressants dedans. Oui, Madame Le Pen, Christian Spielmann de l'AFP. Vous avez expliqué très bien tout à l'heure les lignes rouges qui étaient les vôtres dans le cadre d'un futur groupe au Parlement européen. Vous voulez pas d'alliance avec le Jobbik, vous voulez pas d'alliance avec éventuellement Aube Dorée. Alors moi j'ai un petit problème parce que aujourd'hui le Front National, vous êtes 3 députés. Vous êtes au sein de l'Alliance européenne des libertés, mais votre père et Monsieur Gollnisch sont dans une autre alliance avec le Jobbik. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce que vous allez faire si jamais vous devez former un groupe? Est-ce que le FN va splitter entre ceux qui sont avec vous? Est-ce que votre père va être exclu du FN et exclu de l'Alliance des Libertés? Est-ce qu'il va rentrer dans le rang? Ça a l'air un peu d'intendance, mais c'est vrai que vous êtes tous les deux dans deux partis qui sont radicalement opposés. L'un avec des partis que vous ne voulez pas entendre comme alliés, et votre père avec vraiment ceux que vous ne voulez pas entendre comme alliés. Donc là, je suis un peu problématique. Alors monsieur, vous avez parfaitement raison de poser cette question, et je comprends que vous mettiez le doigt sur une situation un peu schizophrénique, bien sûr. Cette situation était antérieure à mon arrivée à la tête du Front National. Il y a un peu plus d'un an maintenant, le Front National a démissionné de l'Alliance européenne des mouvements nationaux, dont il était membre, et je me suis moi-même inscrite à l'Alliance européenne des libertés. Je comprends bien, et bien entendu, j'ai compris peut-être même avant que vous l'exprimiez, que cette situation ne pouvait pas durer, qu'elle était complètement incohérente, et par conséquent, puisque nous allons entrer à nouveau dans une campagne européenne, j'ai demandé à Bruno Gollnisch et à Jean-Marie Le Pen de bien vouloir quitter l'Alliance européenne des mouvements nationaux pour que la cohérence du parcours du Front National, de ses choix d'alliance, apparaisse de manière extrêmement claire dans cette campagne européenne. À partir du moment où Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch sont à nouveau candidats aux élections européennes, il aurait été effectivement totalement incompréhensible qu'ils puissent rester dans un mouvement différent de celui qui est choisi aujourd'hui par la présidente du Front National et d'un groupe qui demain serait choisi par le Front National dans son intégralité et par évidemment l'intégralité des élus qui auraient été des candidats qui auraient été élus sous l'étiquette Front National aux élections européennes. Et donc ils ont démissionné. Donc c'est en train de se faire actuellement. Voilà. Vous aurez d'ailleurs des informations très probablement très rapidement sur cet élément de clarification. Oui, monsieur. Sono Dario Cirincione di Sky di G24. Se lei fosse al posto del commissario Malmström, come avrebbe gestito la questione dei migranti e degli sbarchi a Lampedusa e cosa farebbe di concreto? Je suis allée il y a presque 2 ans maintenant à Lampedusa et j'avais prévenu, comme l'a rappelé M. Obermaier, ce problème ne date pas d'aujourd'hui, il date d'un long temps. Et j'avais dit, ceux qui laissent espérer à ces hommes et à ces femmes qu'en risquant leur vie, ils peuvent se voir attribuer le droit de rester sur le territoire européen, porteront la responsabilité morale de ceux qui demain feront la même tentative au risque d'y perdre la vie parce qu'on leur laisse l'espoir, en quelque sorte, de pouvoir obtenir soit le droit de rester en Europe, soit la nationalité d'un des pays européens à partir du moment où ils seront arrivés vivants sur la rive. Voilà, je trouve ça profondément inhumain et je trouve ça politiquement profondément irresponsable. J'avais proposé déjà à l'époque qu'il y ait une force, je ne crois pas à la capacité de l'Union européenne à résoudre ce problème. Je vais vous dire pourquoi, parce que l'Union européenne est dans une idéologie de plus d'immigration. L'Union européenne veut faire entrer dans l'Union européenne 150 millions d'immigrés dans les années qui viennent. Nous sommes donc en désaccord total. J'avais donc proposé qu'il y ait une force qui puisse de coopération entre les pays qui ont des rives, si vous voulez, communes, Espagne, Italie, France, pour pouvoir arraisonner dans les conditions de sécurité maximum ces bateaux avec ces migrants pour pouvoir les ramener en toute sécurité sur les rives dont ils sont partis. Et je pense, comme M. Obermaier, qu'on ne fera pas l'économie dans des relations
nationale, internation entre les nations, de discussion et de réflexion et d'organisation avec les pays dont viennent ces immigrés, d'une politique de lutte contre l'immigration clandestine et en même temps une politique de développement économique de pays dans le but de fixer les populations dans leur pays d'origine. Je rappelle que quand les Libyens partent pour fuir la guerre, nous sommes responsables de cette guerre aussi. Nous avons contribué à mettre à la tête de la Libye des fondamentalistes islamiques qui ont immédiatement imposé la charia et qui font la chasse à toutes les minorités ethniques ou les minorités religieuses. Et maintenant, nous nous retrouvons confrontés à des gens qui réclament le droit d'asile car ils sont persécutés par un gouvernement que nous avons contribué par notre action à mettre à la tête de la Libye. Alors, il est temps de se poser la question de savoir si ceux qui nous gouvernent ont véritablement toute leur tête, s'il y a la moindre cohérence dans la politique internationale qu'ils mettent en œuvre et s'ils sont susceptibles demain de ne pas aggraver la situation de ces fortes migrations dont j'ai toujours dit que ce serait le problème du 21e siècle. Oui, attendez, je vais d'abord donner la parole à madame parce que vous avez déjà posé une question. Clara Rivero de Televisión Española. En la lista de partidos que le he escuchado con los que va a mantener contacto en fechas próximas, no ha incluido a ningún británico. No sé si los euroescépticos británicos no están en esa posibilidad. Bon, c'est pas tout à fait vrai, car nous avons des contacts, et notamment nous avons un contact avec un membre du UKIP. La réalité, c'est que j'ai le sentiment, si vous voulez, que vous parlez du UKIP, bien sûr, hein, que le UKIP est un mouvement jeune. Et qui n'a peut-être pas acquis la maturité qui est celle de nos mouvements plus installés. Le UKIP semble avoir peur de la diabolisation. Il l'a subi, je le sais, de manière très forte. À chaque fois qu'on s'oppose au système, et notamment au système défendu par l'Union européenne, eh bien, on est victime de calomnies, de diffamations, de pressions diverses et variées. Le UKIP a le sentiment probablement qu'ils sont déjà tellement victimes de diabolisation que c'est peut-être pas la peine de subir en quelque sorte la diabolisation des autres mouvements qui subissent la même chose. Le FPO souffre de cette situation, le Front National souffre de cette situation. Voyons, laissons faire le temps. Je pense que le UKIP s'apercevra qu'en réalité, c'est dans une fédération de forces contre l'Union européenne que nous remplirons le rendez-vous avec l'histoire. Et puis je vais vous dire, s'ils ne le comprennent pas, ben tant pis. Voilà, tant pis. Moi, on a suggéré auprès de moi que peut-être le UKIP refuserait de rentrer à l'Alliance européenne des libertés ou de faire un groupe avec nous, tout simplement pour pouvoir conserver la présidence d'un groupe. Bah, écoutez, si, j'espère que c'est pas vrai, parce que si c'est le cas, ça me paraît des considérations quand même toutes petites par rapport au rendez-vous historique et par rapport à la responsabilité historique qui est celle des partis patriotes dans les mois et les années qui viennent. Für die Kollegin vielleicht eine Ergänzung. Ich darf in Erinnerung rufen, der Gründer, eigentlich der einen Anstoß auch gegeben hat für die ERF, also für unsere Allianz, war ein Mitglied von UKIP, also Gottfried Blum zum Beispiel. Und ich glaube, dass in der englischen politischen Landschaft sehr viel in Bewegung ist, auch für die Zukunft, sodass wir nach den Wahlen sehen werden, welcher Partner sich für uns auch anbietet und wer ein guter Partner sein könnte. Wir sind offen. Oui, en effet, les résultats des élections peuvent aussi avoir une conséquence sur les choix qui pourraient être faits par les uns et par les autres. En anglais, por favor. Pelle sa question tinien här i Dalen, Sweden. What would you tell a voter why should a voter vote for one of the parties in your coalition, the coming coalition? And the second question, what do you tell those people who claim that your parties are Islamophobic and racist?
Vaste question, cher monsieur, que vous me posez là. Bon. Que dire à un électeur pour qu'il vote pour les mouvements patriotes qui sont les nôtres? Eh bien, leur poser la question de savoir s'ils veulent rester un peuple libre. Est-ce qu'ils veulent rester un peuple avec un fonctionnement démocratique? Car enfin, lorsque l'on assiste, comme c'est le cas dans l'Union européenne, à l'aspiration de la souveraineté des peuples, lorsque on s'accapare, comme le fait l'Union européenne, avec la complicité de nos dirigeants, hein, j'en suis bien consciente, hein. Vous savez, le vol dans le droit pénal français, c'est contre le gré ou à l'insu. Bon, nous n'avons plus nos souverainetés territoriales, nous ne pouvons plus décider de notre politique d'immigration, c'est l'Union européenne qui décide à notre place. Nous n'avons plus de souveraineté législative. Si le peuple veut décider de voter une loi, si elle est contraire à la directive européenne, eh bien c'est la directive européenne qui s'applique et pas la volonté du peuple. C'est pas ce que j'appelle la démocratie. Nous n'avons plus de souveraineté, pour un certain nombre d'entre nous, budgétaire ni monétaire. Bon, eh bien nous sommes des peuples esclaves en quelque sorte, c'est-à-dire des peuples qui ne pouvons plus décider de notre destin, maîtriser notre destin. Et je crois que nous sommes tous peuples européens attachés à la liberté, à nos libertés, à notre souveraineté. Et par conséquent, les seuls mouvements, je crois, qui dénoncent cette situation et qui veulent rendre les souverainetés volées au peuple à qui elles ont été volées sont les mouvements patriotes européens. Pour le reste, nous n'avons absolument aucune islamophobie. L'islamophobie, d'ailleurs, qui est un terme qui a été construit pour empêcher de parler en réalité du fondamentalisme islamique. Il y a deux choses. Il y a l'islam d'un côté, il y a le fondamentalisme islamique de l'autre. Le fondamentalisme islamique est un totalitarisme. Voilà, qui vise à contraindre les hommes et les femmes et à faire disparaître les libertés individuelles. À ce titre, tout le monde devrait lutter contre le fondamentalisme islamique. Bon, ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Donc moi, je conteste formellement ce terme d'islamophobie. Quant au racisme, c'est une accusation qui a été construite pour criminaliser ceux qui s'opposaient à la politique d'immigration. Voilà, nous voulons maîtriser l'immigration et ça. Décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Ça paraît être la moindre des choses quand même, quand vous avez une maison, d'avoir la liberté de dire oui ou de dire non. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Je ne vois pas en quoi le fait de vouloir maîtriser sa politique d'immigration, et accessoirement d'ailleurs, éventuellement, selon les périodes, vouloir la limiter, puisse être associé de près ou de loin à du racisme. Nous nous sommes profondément attachés à la nation, à la nationalité, et ce, quelle que soit l'origine, la couleur, la religion, ou je ne sais quelle autre différence. Oui, madame. The reporter. Comment vous voyez le défi global, par exemple, comment on peut faire face à des défis de la Chine dans le monde global, si les États européens sont détachés, et comment la France peut faire face à ce défi, en effet, tout seul? Pourquoi tout seul? Non, bon, C'est quand même drôle, parce qu'il y a une sorte de glissement sémantique qui fait qu'on a l'impression que dans l'histoire de la France, ou dans l'avenir de la France, il y aurait ou englué dans une Union européenne sans avoir plus aucun pouvoir, ou tout seul abandonné dans le monde. Mais la France a 2000 ans d'histoire. Et comme 95% des nations du monde aujourd'hui, 95% des nations du monde sont libres, seules, si j'en crois votre vocabulaire. 95% des nations du monde ont la maîtrise de leur monnaie. Et 99,9% de l'histoire de France, ça a été ça. Et ça n'a jamais empêché la France d'être puissante, bien au contraire. Ça n'a jamais empêché la France de commercer. Ça n'a jamais empêché la France d'avoir une influence, et qui était bien plus importante d'ailleurs avant, lorsqu'elle avait sa propre voix, que lorsqu'elle est aujourd'hui, lorsque sa voix est couverte par la voix de Madame Ashton.
Bon, vous voyez, donc je ne crois pas du tout que ce soit un isolement que nous espérions. C'est une liberté. La liberté n'est pas l'isolement. La souveraineté n'est pas l'isolement. Et permettez-moi de vous dire que face à la Chine, pour l'instant, l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas démontré ses capacités. Car nos secteurs économiques sont chaque jour mis en péril par des importations massives provenant notamment de la Chine, mais de pays à très bas coûts de production. Hein. En France, les délocalisations, les fermetures d'entreprises se multiplient. Aujourd'hui, la zone euro est la seule zone du monde à être encore en récession ou à la limite de la récession, 5 ans après la crise financière. Donc je pense qu'on doit faire aujourd'hui le bilan objectivement que l'Union européenne n'a pas répondu aux attentes des peuples et qu'elle n'est pas capable de protéger les peuples, ni de la surveillance massive de nos communications et de nos données Internet par la NSA, ni des flux migratoires totalement incontrôlés, l'appauvrissement de nos populations, ni de l'explosion d'un chômage qui est devenu dans l'Union européenne endémique, ni. Voilà. Et en tirer les conséquences. Car faire le constat, c'est bien, mais à un moment donné, il faut en tirer les conséquences. Oui, monsieur. Madame Le Pen, un nouveau parti éventuel de droite ou d'extrême droite, en quoi serait-il différente de l'ITS de France ? Excusez-moi, je vous entends extrêmement mal. Pardon. Un nouveau parti de droite ou d'extrême droite européen, en quoi serait-il différent de l'ITS, des fins, il y a quelques années? En quoi serait-il différent de qui? De l'ITS, enfin l'ITS, le parti que Bruno Gollnisch était le président. Alors d'abord, monsieur, les membres ne seraient pas les mêmes, donc par conséquent, un groupe, évidemment, se constitue autour de l'identité de ses membres et autour d'un projet. Nous sommes des nationaux, des patriotes, des souverainistes, par conséquent, nous n'entendons pas enfermer, si vous voulez, les membres dans une sorte de programme unique. Hein. Chacun doit tenir compte, évidemment, dans la défense des intérêts de son propre peuple, car si nous ne le faisions pas, nous ne remplirions pas les promesses que nous avons faites et les uns et les autres à nos peuples respectifs, mais nous avons effectivement comme peuple européen des intérêts communs. Donc à partir du moment où les membres ne sont pas les mêmes, par définition, je crois que le groupe n'est pas le même. Et puis je me permets de rappeler que je conteste formellement cette formulation d'extrême droite. Je ne vois pas en quoi nous serions à la droite de la droite. Vous voyez, moi je ne me sens pas du tout à la droite de l'UMP, parce que sinon je serais encore plus ultralibéral que l'UMP. Alors je ne suis pas du tout ultralibéral. Je serais encore plus pour aider ceux qui en ont le moins besoin en France et pour taper encore plus sur ceux qui ont besoin de protection. Etc. Donc je conteste cette formulation. Cette formulation d'extrême droite est une formulation qui est péjorative et qui est utilisée volontairement par nos adversaires politiques pour criminaliser tous ceux qui sont en désaccord avec eux. Voilà. Alors si vous êtes en désaccord avec le système en place, immédiatement on vous appose la marque infamante de l'extrême droite, et puis après il suffit de faire l'amalgame pour que la calomnie soit aboutie. Hein, on amalgame dans l'extrême droite l'aube dorée, monsieur Brejnik le terroriste, les djihadistes fondamentalistes, les tchétchènes terroristes de Boston, et puis on se coupe bien, hein, et puis comme ça on se dit que son adversaire politique, en l'occurrence les partis patriotes, en sortiront probablement un peu salis. Bon, nous contestons tout à fait cette formulation, nous sommes des mouvements patriotes et rien, je dis bien rien, dans les projets politiques qui sont les nôtres n'est extrémiste. Ich darf vielleicht nur, entschuldige, den Herrn Kollegen vielleicht auch noch ein bisschen aus unserer Sicht einen Vorschlag machen. Vergessen wir einfach das Spiel rechts und links. Es ist gut beim Fußball, Sie können von linken und rechten Flügel bei den Hühnern sprechen, aber bitte in der Politik. Ich kann nur vielleicht Ihnen auch empfehlen, ein bisschen die österreichische Presse nachzulesen. Da wurde zum Beispiel, also meiner Partei, der Freiheitlichen Partei, durchaus positiv unterstellt, dass in sozialpolitischer Hinsicht wir wieder links wären. Ja? Also lassen wir diese alten Spiele, lassen wir es beim Fußball und bei den Hühnern, aber bitte nicht bei der Partei. Les, les,
L'Union européenne n'étant capable de fermeté qu'à l'égard de ses propres députés européens, eh bien, le coup près tombe. Nous devons libérer cette salle. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions.